La vie et j'ai vécu moitié de ma vie à Vienne. My first remembrance of music is a collection of LPs of my. Mon premier souvenir de la musique, c'est la collection de disques de mes parents. C'était une énorme collection et ma sœur et moi en avions une plus petite. Il y avait de la musique pour enfants et des pop stars de Yougoslavie. C'était dans les années 80. Those pop stars I liked were very much made up. Ces pop stars que j'aimais étaient très maquillés. C'était Boy George, Nina Hagen, David Bowie et bien d'autres de Yougoslavie, comme Baby Doll, Yoshi, Polisette et ainsi de suite. And I remember that I started when I was a child, I really much liked to imitate. Je me souviens qu'ils ont débuté quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup les imiter. Alors je faisais des shows, j'imitais ces pop stars à la maison, et tout le monde était supposé me regarder. Et je pense que c'est ce que je voulais faire quand je serai grande. There was one. Il y avait à l'époque un enfant prodige, un violoniste appelé Stefan Milenkovic, qui avait déjà joué pour la reine, et tout ça. Il avait peut-être 7, 8 ou 10 ans, je ne sais plus. Et je l'aimais bien aussi. Ma mère m'a raconté qu'un jour, en me réveillant, j'ai dit que je voulais jouer du violon. Alors nous avons essayé deux fois, une année après l'autre, de m'inscrire à l'école. D'abord, ils ont dit que je n'avais pas beaucoup de talent, que je n'avais pas une bonne oreille, alors ils ne m'ont pas accepté. Et la troisième fois, ils étaient comme en colère contre ma mère. Pourquoi ne m'avait-elle pas amenée plus tôt? Parce que j'avais déjà 9 ans, donc c'était déjà un peu tard pour le violon, mais ils m'ont accepté. J'ai appris le violon pendant 5 ans, et puis j'ai décidé de continuer. J'ai découvert que ce n'était pas ce que j'attendais d'une école de musique. Je voulais être une pop star, tu vois? Ils ne comprenaient pas ça. Mais moi j'avais confiance et j'essayais. C'était très dur de jouer les gammes et d'étudier et tout ça, mais je le faisais et je voulais continuer. So there was a music gymnasium then back, and my teacher suggested me to switch to viola. And he said, because you're talented, but you're lazy, and it will be enough for viola. Of course, it's a cliché. Et donc, à l'école de musique, mon professeur m'a proposé de passer à l'alto. Tu as du talent, m'a-t-il dit, mais tu es paresseuse et ce sera suffisant pour l'alto. Bien sûr, c'est un cliché. Par après, j'ai réalisé que mon professeur de violon était en fait un altiste. Et comme il n'y avait pas d'élèves d'alto dans cette petite ville, il voulait que j'en joue. Je me suis dit que si je n'aimais pas ça, je pourrais toujours revenir au violon. Mais en fait, je suis tombée amoureuse du son de cet instrument. But then other frustrations came because when par la suite, d'autres frustrations sont apparues parce que quand je jouais de la musique de chambre ou dans un orchestre, je ne jouais pas les thèmes comme par exemple The Entertainer de Scott Joplin. Il jouait comme ça et j'attendais, mais ça n'arrivait pas chez moi, je devais juste jouer. Thank you.
Stadium in Belgrade, I got the stipendia, although I didn't ask for it. It was just, you know, this destiny. J'ai ensuite reçu une bourse de l'Académie de Belgrade, même si je ne l'avais pas demandé. Tu sais, c'est juste une coïncidence du destin de l'avoir reçue. C'était une bourse pour l'Académie d'été en Autriche, Allegro Vivo. C'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. I was a bit ashamed to tell it, but this was real. When I saw all these teachers, professors from different academies, they were playing so good. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai. Quand j'ai vu tous ces professeurs de différentes académies qui jouaient tellement bien, ils jouaient et ils gagnaient de l'argent, ils vivaient de ça. C'était une chose énorme pour moi parce que c'était en 2001, je pense. And since I lived through the 90s, my adolescent time was the 90s with all the crises at the Balkans. And this 90s, of course, broke the... J'ai vécu les années 90, c'était mon adolescence. Où étaient les années 90? Avec toutes les crises dans les Balkans, bien sûr, tout s'est cassé, tout a changé. À cette époque, la grande scène musicale en ex-Yougoslavie, ainsi qu'en Serbie et à Belgrade, comme la scène rock, était produite par l'État. Où avez-vous eu cela dans l'histoire et dans le monde? And you had like big orchestras, like big bands. Vous aviez aussi de grands orchestres, des big bands, qui étaient financés par l'État, et aussi de grands musiciens classiques, des solistes de renommée mondiale, etc. Dans les années 90, tout s'est effondré. Actually, I always wanted to sing more than to play an instrument. Then I heard Eva Bitova in the 90s. En fait, j'ai toujours voulu chanter plus que jouer d'un instrument. Puis j'ai entendu Eva Bitova dans les années 90, et bien sûr, elle a été très importante pour moi. C'était fascinant. Comment est-ce possible? Comment fait-elle? En un instant, j'ai commencé à combiner ces deux composantes. Je n'ai jamais appris à chanter. Je ne voulais pas parce que je ne pouvais pas choisir l'école où je devais travailler ma voix. J'ai chanté dans un chœur pendant 6 ans, quand j'étais jeune, et je me souviens que ça a changé toute ma voix, mon art, ma technique. J'ai perdu ma voix naturelle. I started doing solo. It was coincidence as well. You might think now that my life is nothing but coincidence. Maybe it is like that. J'ai alors commencé à jouer en solo. C'était aussi une coïncidence. Bon, tu pourrais penser que ma vie n'est que coïncidence, et c'est peut-être le cas. Mon collègue est tombé malade quand nous sommes venus à Zagreb pour donner un concert, et l'organisateur m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Comme jouer en solo pendant une demi-heure? J'ai répondu, d'accord, je peux peut-être faire une demi-heure seule. Je ne l'avais jamais fait. Et puis j'ai fait le show pendant une heure, peut-être plus. C'était ma première expérience solo et ça a très bien fonctionné, je me suis beaucoup amusée. So the second reason for my solo project was my master thesis when I was thinking about what to do. Ensuite, la deuxième raison de mon projet solo était mon mémoire de maîtrise. Je réfléchissais à quoi faire. Les thèses artistiques étaient quelque chose de nouveau à l'université et les professeurs poussaient les étudiants à y réfléchir parce que personne ne savait trop comment gérer cette nouveauté. Alors ils laissaient les étudiants développer le sujet par eux-mêmes. And I started being interested in looping technique. And so I combined, I bought a looper. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la technique des boucles sonores. Et donc, j'ai acheté un looper, mon premier looper, pour apprendre. Je me suis souvenu de l'idée que j'avais eue quand j'avais environ 12 ans, quand je jouais la Folia de Corelli, quand j'ai réalisé comment fonctionnent les variations, ce qu'est une variation et comment ça marche. J'avais beaucoup aimé et j'avais oublié ça. Mais ensuite, je m'en suis souvenu et j'ai fait mes premières variations sur la Folia, mes seules variations sur cette composition, avec le looper et moi. C'était mon mémoire de maîtrise, suivi bien sûr d'un travail écrit. Thank you.